Hello, bienvenue sur la chaîne GM Créa. Il se fait tard, oui. Hier, j'ai pas pu filmer parce que j'ai eu un problème, une allergie. J'avais la bouche enflée comme si j'étais botoxée, mais pas du tout. Donc j'ai fait une allergie à un médicament. Et du coup, là, aujourd'hui, on se retrouve pour un haul pop in the box. Donc mes pops du mois de décembre, et c'est du lourd. Franchement, je suis trop contente. Alors tout d'abord, la première pop que j'ai reçue, c'est celle-ci. Alors, je vais essayer de vous faire voir sans l'anneau lumineux. Voilà. C'est le Stitch dans sa... dans son expérience. Donc, elle s'appelle... Je crois qu'on ne peut pas l'ouvrir, hein, le cône. Non, c'est fait visseler. Là, c'est comme s'il était emballé bien. Je crois pas qu'on peut l'ouvrir. Non, je crois pas. Non. Il y a des petits vis, mais elle est bien faite, je trouve. Elle est trop bien faite. Donc, c'est dans une boîte comme ça que je l'ai eu. Vraiment très jolie, la boîte aussi. Voilà, c'est une spéciale édition. C'est Lilo et Stitch et c'est la Experiment 626. C'est Stitch quand il est dans le... Voilà, 626B ou 626B, ouais. Lilo et Stitch comme ça. Elle est super belle. Donc forcément, je vous mettrai mon code R2. R2, je crois que c'est. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Ou je vous le remettrai quand je reviendrai le mardi. Je mettrai cette vidéo avant sur YouTube, je pense. Mais je vous remettrai le mardi. Là, je filme avec mon portable. Je vous remettrai le mardi pour vous dire le code et tout. Donc, Experiment, voilà. C'est R2, je crois. Et vous avez le droit à 10, 10%, il me semble, sur votre première commande hors abonnement. Moi, c'est un abonnement au Pop in the Box. Maintenant, je suis abonnée depuis... Ça va faire plus d'un an, un petit peu. J'en ai eu pas mal, des pop. Elles sont trop belles. Donc là, vraiment une trop belle surprise. Déjà, celle-là, c'était déjà une belle surprise, quoi. Dans mon abonnement, sachant qu'elle coûte 30 euros à peu près. Et que j'ai payé mon abonnement de 27 euros. Donc, voilà. Donc, trop contente. Et la big géante surprise... Parce que mon facteur j'ai eu. Donc celle-là elle est déjà belle. Hein. Voilà, elle est déjà quand même assez belle quand même. Je suis très contente. Mais alors la big géante, il faut que je l'attrape. C'est la pop, la 766. C'est une figurine. Je ne sais pas si c'est une guépousse ou pas. Ah, j'en sais rien. La 766, c'est une géante. C'est une Pixar Remix. Et c'est celui que j'ai eu. En 10 pouces, je pense. Oui. Donc, c'est la seule qui a. Regardez-moi ça, comment elle est belle. Voilà. Alors, je vais essayer de l'ouvrir avec vous, mais j'ai peur. Je pense que moi, je vais la laisser en emballage parce que déjà, il faut lui trouver une place. Comme d'habitude, il faut que je lui trouve une place. Mais je vais vous la faire voir quand même. J'ai peur de la donner. Elle est magnifique. Donc la boîte déjà, comment vous dire, comme facteur, bah, il ne pouvait pas la passer dans la boîte aux lettres. Le livreur, donc il m'a dit, est-ce que vous êtes là parce qu'elle ne passera pas dans la boîte aux lettres? Ah, oui, je suis là. Elle est magnifique. Je vais voir si elle a des défauts ou pas. Je ne sais pas encore. Elle est vraiment trop bien. J'ai fait tout tomber comme d'habitude, vous me connaissez. Je vais bien garder ça, je vais bien garder tout. Donc je vous la fais voir parce que je la trouve trop belle. C'est une pop comme ça. Sully quoi. En Monstre et Compagnie, je crois que c'est ça. En en Alien quoi. Elle est trop bien faite en plus. Regardez-moi ça. Comment elle est belle. Déjà, elle est déjà pas mal aussi. Trop belle les pop que j'ai. Non mais elle est trop belle. Trop belle celui comme ça. Bon, elle est pas trop abîmée, ça va. Un petit peu là, mais je pense que c'est un défaut de fabrication plutôt qu'autre chose. Mais elle est trop belle. Franchement, je m'attendais pas à une pop comme ça pour Noël, quoi. Mais trop contente. Elle est trop belle, c'est des Pixar Remix. Et franchement, je suis trop contente. Donc voilà. Je sais plus si celle-là, non. Celle-là, on va la remettre comme ça. Je crois que c'est comme ça qu'elle se met.
remettre la pâte. Pouf, pouf, non. C'est moi qui me suis trompée. Donc voilà, avec mon code R2, je crois que c'est, vous avez le droit à moins 10% sur votre première commande. 5 ou 10. 10, normalement. Voilà, elle est trop belle. Sauf là qui est un peu abîmée. Je sais pas si je leur demande qu'ils m'en renvoient une autre. S'ils m'en renvoient une autre et qu'elle est encore abîmée, je sais pas. Voilà, le truc n'est pas cassé. Donc, sinon, moi, elle va rester en boîte. Clairement. Parce que pour l'instant, je sais pas où la rendre. Clairement non plus. Donc, désolée, ça va faire un petit peu de bruit. Mais trop contente de mes pops de ce mois-ci, franchement. Quoi rêver, il me stitch, j'adore. Et celui, bah, j'adore aussi. Donc, franchement, j'étais trop contente. Je me suis dit, ouah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait des folies. On la remettra mieux tout à l'heure. Je vais te poser vite fait. Donc voilà. Pour mon haul. Pop in the box. Trop contente. Là, vous voyez, elle est comme si elle était... Mais je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est comme si elle était dans son truc. Je pense que c'est comme si c'était fait exprès. Je sais pas. Mais je suis trop contente aussi de cette pop là. Je la trouve trop belle. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis, vos envies dans les commentaires. À liker cette vidéo si vous aimez. À liker cette vidéo si vous aimez mes vidéos. À s'abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos aussi. Et si voilà. À cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.